Blackbird 2 to Control Tower. We are about to take off on the highway of tomorrow. Stand by. Ça fait bientôt un an qu'on travaille sur Détroit, je t'aime. French for Detroit, I love you. When we get together, you know, it's just a beautiful thing. Détroit, c'est une des premières villes occidentales à avoir traversé une crise économique sans précédent. En réponse à l'absence des services publics, les Detroiters ne sont pas seulement restés soudés, ils sont aussi devenus experts du do-it-yourself. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a développé notre film. Détroit, je t'aime, ça va être le premier documentaire interactif réalisé sur Détroit. Vous pourrez composer votre propre histoire en naviguant les chapitres du film. Le site va présenter des outils et guides pratiques pour vous inciter à réaliser vos propres projets DIY, que ce soit un jardin communautaire, un circuit électronique ou une réparation de vélo. Le documentaire lui-même suit trois Detroiters, une mécano, un fermier urbain et un hacker. Chacun d'entre eux construit un nouveau futur basé sur le partage des richesses et l'idée de communauté. Pour nous, Détroit, c'est la ville de ceux qui changent le monde. Nos trois personnages se servent de la crise comme d'une aubaine pour redéfinir nos valeurs. Et ça, pour nous, c'est une histoire qui mérite d'être racontée aujourd'hui plus que jamais. Détroit, je t'aime crée une expérience immersive qui vous inspirera à vous connecter en dehors d'Internet. Avec ma collègue journaliste Hélène, on a déjà décrit cette ville en changement sur notre blog et dans divers magazines, Glamour, Les Inrecuptibles, Ouzbek Erika. Aujourd'hui, notre tournage est quasi terminé et on espère sortir notre web documentaire d'ici la fin de l'année. Votre contribution sur Kickstarter peut nous aider à atteindre ce but. On utilisera ce budget pour employer une équipe de tournage et terminer la production cet été. Le reste du budget sera consacré à construire le site interactif. Les petits ruisseaux forment les grandes rivières, surtout à Détroit, alors si vous croyez en notre projet, parlez-en autour de vous s'il vous plaît. Merci beaucoup et à bientôt à Détroit. Donc voilà, Hélène, bienvenue, journaliste freelance et co-auteur, coproductrice de Détroit, je t'aime, qui est donc un web documentaire sur la ville de Détroit aux États-Unis, au Michigan. Je travaille avec ma collègue Nora Mandré, qui est en ce moment même en tournage sur le web documentaire à Détroit. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là, mais elle pense bien à vous tous ce soir. En fait, ce projet est né d'une histoire d'amitié. À l'origine, Nora et moi, on est des amis en fait, de Sciences Po. On a fait les 400 coups en Pologne ensemble. Et c'est là qu'on a fait connaissance un peu du post-communiste, du post-industriel. Et on est revenu avec cette idée de faire un jour quelque chose sur les villes et l'utopie. Et puis chacune a suivi sa voie. Moi, je suis partie en tant que journaliste en Hongrie et en Europe centrale. Nora a continué sa formation en tant que documentariste à Los Angeles. Et puis, un soir, elle m'appelle et elle me dit « Écoute, je reviens de Détroit. » Et j'ai vraiment vu, j'ai ressenti quelque chose, j'ai vu ce qui se passe là-bas. Je pense qu'il faut qu'on fasse un documentaire sur cette ville. On a un peu creusé le sujet, on était déjà un petit peu au courant, un peu sensibilisé sur la question de Détroit. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, effectivement, qu'il y avait un mouvement d'agriculture urbaine qui était vraiment dépassé ce qu'on pensait savoir. Et on a eu la chance d'obtenir de la part du CNC un fonds Nouveaux Médias qui nous a permis donc de partir à Détroit l'année dernière, qu'on a déménagé il y a un an à Détroit ensemble, Nora et moi. Moi, je suis revenue au bout de 3 mois, Nora y est encore. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que
On a vraiment essayé de s'immerger dans la vie locale, parce que c'est un peu ce que tout le monde a envie de faire, mais ce qu'on avait vraiment envie de faire. Et on s'est rendu compte de deux choses qui étaient vraiment capitales pour nous. D'une, c'est que Détroit est une ville surmédiatisée et qu'il était hors de question de jouer le jeu de ce qu'on appelle là-bas du ring porn, donc de rajouter un peu encore sur la décadence de la ville, sur le fait qu'elle soit en ruine. D'autre part, on s'est rendu compte que l'agriculture urbaine était en fait un vecteur de beaucoup de choses, mais que ce qui se passait à Détroit allait bien au-delà de la simple agriculture urbaine. Ce que font à Détroit les gens, les résidents, c'est qu'ils ont appris à se débrouiller eux-mêmes. Ils ne font pas leurs choses, ils font pas leur petit business dans leur coin, ils essayent d'intégrer la communauté le plus possible. Pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est vrai que j'aurais dû introduire peut-être un peu plus tôt la ville de Détroit, Détroit, c'est une ville qui a un nom français, elle a été fondée par un Français à l'origine, mais elle est surtout connue pour son automobile, parce que c'est à Détroit qu'est née la première automobile, enfin, c'est à Détroit qu'a été modélisée la Ford T, qui a été un best-seller à l'origine, donc Henry Ford, Détroit, Henry Ford aurait pu être ici parmi nous ce soir, il n'y est pas, mais évidemment, la ville a connu le même sort que l'industrie qui était sa base, à savoir avec le déclin de l'industrie automobile aux États-Unis. La ville a décliné et aujourd'hui on se retrouve avec 720 000 habitants, ce qui est deux fois moins qu'il y a 50 ans. Mais malgré tout, il y a aujourd'hui un renouveau de la ville et on voit des jeunes qui débarquent, qui trouvent que Détroit est une ville cool et qu'il faut faire des choses. Voilà, donc ce que nous, on a eu envie de faire et ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'en ce moment même, Nora est en phase finale du tournage. La vidéo que vous avez vue, en fait, c'est une vidéo de crowdfunding. Donc on a lancé il y a un mois, exactement un mois, on était en pleine campagne encore donc pour lever des fonds pour notre documentaire, puisque pour le moment, on a fait le choix de rester indépendante. On a eu une aide du CNC, on a fait des reportages à gauche à droite, mais là, pour finir le tournage, on avait besoin d'une somme un peu plus conséquente. Et donc, on est passé par le site américain Kickstarter, mais il y en existe d'autres. Voilà, donc vous donnez, c'est un site de financement participatif, vous donnez un but, vous donnez une date, et puis voilà, vous faites campagne. C'est une vraie campagne et c'est un vrai régime minceur aussi, parce que pendant un mois, vous ne faites que ça et vous suez vraiment à grosses gouttes. Donc, tout s'est bien passé pour nous. On a réussi à récolter 26 000 dollars, ce qui est à peu près 21 000 euros. Et c'est grâce à tous ceux qui ont contribué, donc c'est 583 personnes. On n'en connaît pas la moitié en fait. Et c'est vrai que c'est au-delà même de l'aspect financier et de ce que ça vous permet de faire, ça vous permet surtout de faire des rencontres et d'établir des liens. Ça va de l'Afrique au Pacifique, du Canada à l'Europe. On a vraiment eu des gens de partout qui nous ont écrit, qui se sont reconnus dans le portrait de ces gens que vous avez vus, qui sont nos trois personnages principaux, et qui ont envie de contribuer et qui attendent avec impatience la suite de l'aventure. Donc moi, je suis là, c'est un peu du teasing ce soir, parce que le documentaire n'est pas prêt, mais on espère bien qu'il le sera d'ici quelques mois, plutôt tablons sur mars 2013. Et on fera à ce moment-là un autre événement avec Tribe pour une vraie soirée débat et une vraie projection. Merci à tous.